Oh boy, c'est moi Eka et aujourd'hui je vais vous apprendre avec la France à faire capituler l'Allemagne dès 1936. Alors il va falloir suivre un peu, hein. C'est pas très très simple. J'ai vu qu'il y a des Français qui ont essayé de le faire, puis j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice. On met mode Iron Man historique, voilà quoi. Et aussi, préparez-vous à lancer plusieurs fois le jeu, parce qu'on va déclarer avec la Rhénanie directement. Et du coup je crois qu'on a qu'une seule chance sur 4 ou sur 5 que l'Allemagne nous déclare la guerre. Donc c'est ce qu'on cherche nous, hein. C'est tarpillé. Donc là ça va être très important. Déjà première chose à faire, c'est que vous réunissez votre armée. Ah c'est bien, on a tout ça. Parmi les division de brigade coloniale, vous allez en supprimer 5. Pourquoi? C'est parce qu'on a un gros déficit d'armes à feu et ça va nous aider un peu. Les recherches, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je vais faire les flingues du coup avec de l'artillerie et de la prod. Moi je vais construire des usines militaires parce que je suis un petit filou, je suis complètement taré. Et là-dedans, ça va être un peu chaud. Déjà les chars, ça sert à rien, vous allez pas le faire. Les bateaux, bon bah vous continuez de les faire, hein. c'est pas important. Le conquérant, ouais, c'est moi ça. Parce que toi, on va t'en mettre plein la gueule, toi. Et ouais, pam, pam, pam. Au revoir Hitler. Ça suffit, je vais te démonter. Bref, dans la production, je vous conseille de mettre un peu plus sur les flingues. Puis ensuite, on va faire du casse. Pourquoi? Parce qu'on veut détruire les ennemis. Vous faites de l'AR, de l'entre-deux-guerres. Avec tout le reste, voilà, comme ça. Nos bateaux, on va déjà les réunir. Pourquoi? Parce que j'ai un petit plan. On les met en invasion navale comme ça sur l'est de la mer, du nord et la Manche. Ils vont se réunir normalement, ça va être machallah. Plus, plus. En même temps, on en a 69 divisions. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça aussi, 69. Pas mal, hein. Dans ces 69 divisions, oula, pourquoi je suis à Madagascar là? Oh, vous allez réunir tout. Vos camions, ça c'est important de les mettre sur la ligne ici parce que vous allez faire une blitzkrieg, hein, littéralement. Comme c'est démilitarisé, ici ils peuvent pas mettre de soldats, donc le but ce sera de prendre ça le plus vite possible. Sur les autres divisions, je vous conseille de mettre 9 infanteries et peut-être, ouais, allez, 10 infanteries, hop. En invasion amphibie, ici, jusqu'à, moi j'irais de faire à Hambourg, c'est pas mal pour se replier. Voilà, c'est 70 jours, nickel, c'est ce qu'on a pile devant nous. Les deux chars, là, on les met dans la Blitzkrieg, et après vous mettez des commandants, on s'en fout en vrai, desquels, hein, c'est pas si important. Quoique, là, infanterie quand même, pas mal, c'est comme lui là, Orly, infanterie, j'aime. Prenez un maréchal, et du coup, nos maréchals, ils puent tous un peu la merde, donc on va essayer d'en promouvoir un après, plutôt, quoique, on n'a pas le temps, hein. Bon, on va mettre Gamelin. Quoi, lui, je sais pas. Il y a une bouille le beau gras. Moi je dévalue le franc après parce que j'ai pas d'autre idée de quoi faire. Et faut faire attention, hein, d'ailleurs. J'ai oublié de vous dire. Mais comme l'Allemagne vous éclaire la guerre, et vous allez avoir une guerre civile sur le dos. Un peu chiant, hein. On va pas se mentir. On va falloir gérer ça aussi. C'est comme vos avions, vous les supprimez, vous les mettez sur l'imaginot, prêt à partir défoncer du Bosch de toutes leurs forces. Voilà, comme as. Vous avez peut-être le temps de les entraîner, mais je suis pas sûr. On est tarpi. Vous avez le temps de les entraîner. Entraînez-les un peu, pour qu'ils soient pas trop nuls. Pour les flingues, vous avez des gros déficits, mais j'ai la solution après, dès qu'ils vous auront déclaré la guerre, les petits filous d'en face. Que techniquement, c'est plus moi qui leur déclare la guerre, je crois, je sais pas. Nos avions sont entraînés, c'est nickel, c'est magnifique, ça me fait plaisir. On peut les remettre là-bas. Et là, ici, vous allez garder Paris et Nord-Pas-de-Calais parce que c'est là qu'il va y avoir la guerre civile et c'est un peu chiant sinon. Les mecs, faites-le. Hein. Ah, j'ai oublié, vous pouvez acheter des armes aussi, même si là, il y a personne qui en vend. Mais n'hésitez pas à acheter des armes pendant la guerre, ça va être ultra important. C'est ça qui va faire tout en fait. Hein. Remilitarisation de la Rhénanie, avant de cliquer, je vous conseille de passer les territoires occupés en aucune garnison, comme ça, vous voyez nos armes, enfin notre pénurie d'armes, on s'en fout, ça vient. Et on va rallier les Britanniques en espérant que ça marche. Et ils ont déjà déclaré la guerre, c'est nickel. C'est la guerre. Là on a des communistes, c'est chiant. Et on peut foncer, trahir des Allemands, et ça fait plaisir. Et vous allez me prendre l'île le plus vite possible là, que ce soit terminé cette merde. Vous baissez la vitesse, et à partir de là c'est bonne chance, hein. C'est micromanagement, voilà. C'est la partie un peu relou d'ailleurs, lancer réarmement, c'est vraiment ce qu'il faut faire je pense. Et acheter du pétrole aux États-Unis aussi. C'est l'heure de la blitz, faut tout prendre jusqu'au Rhin, puis après vous bougez plus le temps que vous fassiez votre petit débarquement, sinon après les Allemands vont vous repousser. En fait l'IA ne saura pas gérer divers débarquements en même temps, tu vois. Acheter masse pétrole, c'est vraiment ce qui va vous sauver, hein. Le bon pétrole américain, il n'y a rien de mieux. Hein. Faut macro pour terminer la guerre le plus vite possible aussi, c'est un torpan. On a pris presque tout le Rhin, c'est ce qu'il fallait faire, maintenant on va se renforcer un petit peu. En même temps on push en France communiste, on peut réquisitionner des trains, non on n'a pas besoin de ça. Hein. Pour le moment c'est pas important. Faut en finir avec les communistes le plus vite possible, hein. Vraiment essayer de tryhard un peu, c'est complexe comme bail. Vraiment il n'y a aucun use bug, bon faites pas ça en multijoueur quand même, c'est pas cool pour l'Allemagne. Mais tout est parfaitement normal, contrôlé même. Hop là on essaie de prendre l'île, s'il veut bien arrêter de m'attaquer 2 secondes. On l'épine, on l'épine, on l'épine, on prend l'île, et après Calais on est bon. Hein. Faites gaffe avec vos motorisés de pas calé quoi. Non. Bon, au moins j'ai tenté la vanne. J'ai juste fait une petite erreur dans la partie d'avant, c'est que l'invasion navale, j'ai fait partir de Calais et faut la faire partir en Normandie parce que là du coup ça se rebelle. Donc faites juste ce que j'ai fait, mais sauf que cette fois-ci vous partez de Calais. Voilà, ça arrive même de se tromper au meilleur, j'avais pas anticipé ce fait là. Et voilà, quand ça fait ça, faut recommencer la partie. Les Britanniques ils m'ont soutenu carrément sur celle-ci, c'est encore mieux, tu vois. Et du coup, ils restent démilitarisés, c'est toujours la merde. C'est vraiment une histoire de probabilité, donc c'est un peu chiant, hein. C'est vraiment le Heart of Iron qu'on aime pas, mais c'est vraiment le seul moyen en fait. OK, je suis de retour en guerre, on a
ça. On peut même acheter des armes, donc je vais me faire plaisir. Hein. Non, ça va un moment, tout ça, on s'en fout parce qu'on est à part raciste du coup, parce qu'on tabasse Hitler, mais pas loin quoi. Prochain arrêt, Berlin, c'est tarpi. La rébellion, on la tabasse, y a pas de souci là-dessus. On a pris le Rhin, ça aussi on est bon. On a plus de pétrole, faire attention ça. Hein. Un torpant le pétrole. Quoi, il tape, vous tapez pas, hein. Restez là tranquille, en défense. J'ai plus de pétrole, mais pourquoi, chef? La rébellion, faut l'écraser la plus vite possible. On prend Calais, ça c'est bientôt fini. Normalement, si on prend l'île et Dunkerque, c'est terminado. C'est un me push en Rhénanie là, c'est pas fou. Hop, y'a plus de commune de France. Je vais pas pleurer, hein, t'inquiète. Je m'en fous, t'es. On met sur pause, on renforce la frontière. C'est bon, ça part le débarquement, tranquille. J'ai peur que ça parte jamais, hein. J'ai eu trop peur. Parce que là, ils commencent à se renforcer, les Allemands, c'est pas fou pour moi. Je vais refaire quelques infanteries, hop. Là, il faut qu'on les tabasse, là. Là, normalement, il y a quelques trous à droite à gauche, on peut se faufiler, genre là. Là, c'est vraiment le jeu du serpent, les amis. Regardez, on se faufile, hop, on avance. Si on peut essayer de rejoindre là, les deux trucs, c'est pas mal, hein. Parce qu'en fait, il a beaucoup moins de divisions que moi, donc faut vraiment faire un gros front, en fait. En plus, on va en remettre 10, donc ça devrait être pas mal. On va vraiment chercher à les désorganiser le plus possible, quoi. Et là, normalement, on rejoint ici, c'est pas mal. C'est bon, on a rejoint ce terrain-là. Franchement, c'est magnifique. Pour vraiment jouer avec les encerclements, tout ça, on n'a pas le choix là. Là, on peut même prendre un port ici, c'est pas mal. Comme ça, on va lui encercler deux Panzer Division, c'est vraiment énorme. Jouer vraiment en vitesse 1, les mecs, hein, même si c'est insupportablement long. vous avez pas le choix là. Ce serait sympa de faire un encerclement là pour couper toute l'Allemagne aussi. Mais pour l'instant, c'est peut-être un peu surréaliste, je sais pas. J'ai envie d'aller aider mon camion là-bas, comme ça là. Hop, et comme ça m'envoie quelques camions et tout, c'est pas mal. Faut à tout prix qu'on détruise les chars là, par contre. Hein. Allez, mon poulet. Ok, on en a déjà détruit un, c'est pas mal. Un deuxième, mais ça fait deux divisions moins, c'est déjà énorme. Eh, le char, il est mort, c'est bon. Ça fait plaisir. On peut tabasser un peu plus. Pas moins que j'avance là encore. On peut-être continuer l'encerclement, du coup, c'est pas mal. S'il enlevait des divisions, c'est abruti là. Et là, faut qu'on s'éparpille. Faut les organiser le plus possible. Hop. Sans pas si on encercle toute son armée là, ce serait vraiment bien au sud là. La Blitzkrieg française vaincra, les amis. Il ne le sait pas encore, mais il est déjà mort. Et voilà, si on tient ici, tout le sud est encerclé. Donc normalement, c'est win, c'est GG. Et là, il y a une division qui est toute seule, la pauvre. Il revient là, toi. Donc, normalement, au sud, ils vont mourir d'attrition. Et ça me fait plaisir quand même. Hein. Ça sent pas la force. On va essayer de prendre Leipzig, comme ça la sac c'est la moi. Ça fait toujours plaisir, hein. Et puis prendre Nuremberg aussi, prendre des grosses villes. Alors vraiment c'est du macro-management. Oh là là, on va se faire péter là. Pas gaffe. On a pris Nuremberg, on a la Franconie, c'est pas mal. Qu'on se remette dans l'ordre. Eux, ils s'occupent du nord. Eux entièrement du sud avec les chars, c'est pas mal. Vous allez dans le nord, pareil. Et vous dans le sud. Et normalement, j'ai 10 divisions de plus. Voilà, nickel. Allez, bonne chance pour la réorganisation, les petits potes. Ça va être complexe. D'ailleurs, eux, si je peux leur dire d'attaquer, c'est pas mal aussi. Ils ont toujours pas de problème de ravitaillement, par contre, je comprends pas. Hein. Mourir ou dans mon lieu, chef, hein. Je peux pas acheter des armes. Non, y'a personne qui m'en vend ça. C'est pas cool, ça, mon petit pote. Hein. Même les États-Unis, pas des armes. Non, rien du tout. Je m'attends à la même lutte, toi, mon pote. Là, vous voyez qu'on arrive à percer à plusieurs droits. C'est parce que vraiment, ils ont plus de ravitaillement. C'est critique pour eux, là. Là, on peut faire un encerclement, là. C'est pas mal. Ça fait une troupe en moins à devoir niquer, là. Chaque fois, c'est appréciable, hein. J'apprécie beaucoup. Ah, encerclement en plus encore. Attends, Espagne qui tombe en guerre là. Allez, si on lui élimine des troupes comme ça un par un, c'est vraiment bon. Comment ça là, il a réussi à. Pas bien ça, chef. C'est quoi, on va foncer. Faire un double encerclement, mon pote. C'est moi qui te dis. Voilà. Deux fois plus de plaisir. Il reste encore 40 divisions. Tu vois, ils en ont pas pris. Moi, j'en ai combien de divisions? J'en ai 65, ouais. C'est vraiment ça qui prime. Hein. Elles sont. Mon armée est plus nulle que la sienne. Et parce qu'elle est plus nombreuse, voilà quoi. Allez, ça y est, une division en moins là. J'aimerais bien prendre Francfort, c'est un logistique. Hop. Là, on tue celle-ci. Je sais pas si eux ils peuvent taper doucement, je pense qu'on va attendre encore un peu. C'est peut-être plus le moment d'aller faire d'autres encerclements là, avec mes trucs super rapides. Voilà, encore un encerclement là, c'est pas mal. Ouais mais c'est un peu con ça par contre. C'est bon, normalement je le tiens. Quoi? Bah je l'ai pas tenu, chef. Chef? Et bah c'est pas grave, on va recontinuer. On va prendre Munich d'ailleurs. On est en août 36, c'est la galère hein, quand même, je vais pas mentir. Et personne ne veut me vendre des armes si les Belges. Allez hop, on prend. Là on augmente un peu le front parce qu'on galère un peu, c'est pas cool. On a pris Munich, ça c'est cool par contre. Ouais, c'est désorganisé, on a une poche en plus ici. Je vais pas me plaindre hein, du tout. Putain, c'est compliqué quand même. Hein, les mecs, hein. Si vous connaissez pas bien le jeu, je vous déconseille fortement. Et en plus, là, ouais, c'est complexe de ouf. Tentez de faire ça là. Hop, ça fait un petit encerclement ici. Ils peuvent peut-être taper ici. Toi, tu peux peut-être taper là. Ici, il faut terminer cette merde là, ce truc là. Niveau soldat, il en a remis encore. Putain, mais il en a l'infini ou quoi? Chef! Hop, là, c'est mort. Là, on va essayer de tuer aussi. Ouais, là, il est en train de partir de partout là. S'il faut que j'encercle là. On va peut-être faire comme ça, voilà. Ce serait pas mal. Quand on a besoin d'encore plus de pétrole, c'est quoi ce truc là? Voilà, encore un encerclement. Ça se passe trop bien là. C'est carrément génocidaire ce qui se passe. Bon, c'est bientôt la fin 36. Normalement, vous pouvez finir dès mai 36, mais moi, je suis pas très très bon, quoi. Mais je vous jure que c'est faisable. Hein. Le sud de l'Allemagne, c'est presque fini. Maintenant, on va taper de partout, là, c'est fini. Malveillance max, mec. Si on peut, hein, parce que le pétrole, c'est un petit problème. Je pense que c'est mes bateaux qui font ça. Ouais, c'est ça. Voilà, plus besoin d'autant de pétrole. Putain, j'ai un peu pété un cap sur les bateaux. Et maintenant, on peut lancer cette offensive et essayer de prendre Berlin. Hein. Là, je finis juste cette unité, puis après, on va mettre ça au nord. Le sud, j'en ai marre de me battre dedans. Et là, il n'y a plus qu'à rush into Berlin. Normalement, ça va se faire très très vite. Et ce sera la fin de l'Allemagne. D'ailleurs, nos avions, on peut les foutre à Berlin même. La chute de Berlin,
Berlin, vive la France. Ça y est les mecs, bon par contre notre unité est toute seule, mais ça devrait aller. Là j'ai envie de prendre Stuttgart, comme ça, ça c'est fini, un point de victoire en moins. Hop, ils sont plus ravitaillés, maintenant on peut repasser au nord, et là on fonce, hein. c'est la fin, on tryhard, comme Jaja. Ils ont repris Berlin, putain les enfoirés. Si vous avez plus de camions, n'hésitez pas à en supprimer de vos divisions, j'en ai en supprimé deux là par exemple. Si vous avez plus d'armes, bah y'a plus qu'à prier les mecs. Hein. Normalement ils peuvent pas faire de comeback là, ils ont littéralement plus rien, ils ont 25 divisions, c'est finito, c'est ciao. Mais on sait jamais, alors faites toujours attention les potes. Hein. Il est vif, hein. Il est malin lui, hein. C'est toujours pas suicidé d'ailleurs. On est toujours en 36, putain, faut que je termine vite. Hop, les encerclements, toujours jouer les encerclements. Bon là, je viens de foirer mon encerclement, mais... Au sud, on les a épuisés à force de taper comme des gorilles. C'est ce qu'il faut, hein. Et voilà, l'Allemagne, c'est terminé. Maintenant, vous pouvez tout prendre, même la flotte. Et on a terminé en quelle année? Je crois qu'on a terminé en 37 parce que j'ai un peu foiré. Voilà, janvier 37, bon. J'ai foiré vers la fin, mais vous pouvez clairement terminer en 36. J'ai promis à mes hommes qu'ils retourneraient pour Noël. J'ai un peu menti. N'oubliez pas, si vous voulez continuer de jouer, bien sûr, de remettre en gouverneur militaire. D'ailleurs, supprimez toutes vos divisions parce que vous aurez jamais assez de pistolets. Regardez-moi ça. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo. Elle était franchement sympathique. Je vous ai prouvé qu'on peut, avec la France, faire le plan Magellan avec un peu de préparation et surtout les probabilités. Hein. Parce que 9 fois sur 10, ce petit enfoiré d'Adolf Hitler, il a pas voulu me déclarer la guerre. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je rappelle, faites bien attention aux communistes et surtout, micromanager, c'est vraiment le plus important si vous voulez réussir cette petite run. Bref, c'était tout pour moi, je vous fais des petits bisous. Mouah, 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 plein de petits bisous. C'est le mec qui est... Il a pété un câble. Et d'ailleurs, les mecs, aux 1000 likes, je recommence cette partie et je lâche la Prusse. C'est-à-dire qu'après, je joue la Prusse, les mecs. Hein. Vous voulez me voir jouer la Prusse? Hein? Et bah, c'est uniquement à 1000 likes sur cette vidéo. Sinon, je vous entends pas. La la la. Allez, la bise, les mecs. Blows up pancakes with mine. My fucking pancakes.